Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Les forces armées guinéennes montent en puissance à travers le renforcement de ses capacités opérationnelles. 600 militaires guinéens viennent déboucler une formation importante qui leur permet de décrocher leur brevet parachutiste. Ils sont issus des unités spécialisées et d'intervention des forces armées guinéennes. A appris Réveil d'Afrique. Ces soldats viennent précisément du bataillon autonome des troupes aéroportées, du groupement d'intervention rapide, du groupement des unités d'intervention de la gendarmerie nationale, du groupement des forces d'intervention rapide et du bataillon d'infanterie du camp Kamayen. Alors, pendant deux semaines, ces éléments ont pris part à une campagne de saut parachutiste coordonnée par des opérants militaires marocains présents en Guinée depuis environ un mois. Les opérations de largage ont eu lieu à bord du C-130H des Forces armées royales marocaines. Cette campagne de saut permettra non seulement d'augmenter le nombre des brevets, mais ainsi la capacité opérationnelle de nos unités, indique le colonel Ali Baba Sangaré, commandant des troupes aéroportées. Et bien les amis, c'est donc ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à votre chaîne préférée de l'information Réveil d'Afrique. Partagez avec vos amis, famille et connaissances si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt donc pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très très bien.